très très envie de vous faire part d'un vrai coup de cœur que j'ai eu pour une série de bandes dessinées françaises qui s'intitule Les Ogres Dieux, dont le scénariste s'appelle Hubert et le dessinateur s'appelle Bertrand Gatignol. C'est une saga publiée dans la collection Métamorphose des éditions Soleil. L'histoire se situe dans un univers médiéval fantastique, gouverné par des géants, vivant dans un titanesque château construit au sommet d'une montagne. Quant aux humains, ils constituent un petit peuple, le petit peuple vivant au pied du château. Certains d'entre eux servent d'intendance, et d'autres ne sont destinés qu'à fournir le garde-manger des géants qui, visiblement, raffolent de la chair humaine. Dans le premier album, Petit, on découvre cet univers, donc ces rois et reines de géants. Et la reine, en fait, lors d'un banquet, accouche accidentellement d'un minuscule bébé qu'elle va décider d'élever en secret pour le protéger de la cruauté du roi Gabal. L'histoire va ainsi s'articuler autour de cet enfant, baptisé Petit, qu'on voit grandir dans cet univers à la fois effrayant et fascinant. Le deuxième album, 2100, est une histoire qui se déroule chez les humains au pied de la montagne, bien avant l'histoire de Petit. Le roi nomme un chambellan parmi les humains dont la fonction consiste à répondre à toutes ses attentes. Fils d'un noble et d'une prostituée, Yori est rejeté par les nobles humains, ce qui ne va pas l'empêcher de nourrir son ambition de devenir chambellan et sera prêt à tout pour atteindre son objectif. Dans le troisième opus, intitulé Le Grand Homme, on revient à la fin de l'histoire de Petit et de sa bien-aimée Sala qui va être capturée par les hommes envoyés par Yori. Ayant des difficultés à asseoir son autorité, ce dernier va donc se lancer à la poursuite de Petit qui va trouver refuge auprès d'un nouveau personnage au passé trouble, l'ours. Dans ce troisième tome, nous avons totalement quitté l'univers des rois et des nobles pour nous plonger dans la rudesse de paysages scandinaves. Le quatrième opus s'intitule « Première année » et nous amène tout au début de l'histoire des géants. C'est donc un nouveau personnage, la géante Pagrante, qui, sentant sa dernière heure arrivée, décide de raconter à sa petite fille Elmir toute la vérité sur le royaume des géants. Ce que je trouve fascinant dans cette saga, c'est cet univers fantastique qui nous rappelle les contes de Grimm ou de Perrault qu'on nous racontait, mais vraiment avec le côté rude, effrayant, fascinant, on est loin du côté policier de Disney. C'est très bien écrit, très cohérent, avec des personnages complexes. Dans chaque tome, le récit est ponctué par des pages de texte qui racontent l'histoire du royaume ou d'un personnage qui vient d'arriver, qu'on lui présente. Voilà, il y a toute une historique autour de chaque personnage. Et pour finir, bien sûr, moi je salue le travail de Bertrand Gatignol, qui a tout de suite attiré mon regard avec son parti pris pour le noir et blanc, qui confère ainsi une atmosphère mélancolique. Chaque personnage est très bien travaillé, détaillé, très expressif. Quant au décor, c'est vraiment un régal pour les yeux. On sent qu'il s'est fait plaisir. On prend plaisir à plonger dans ce château aux dimensions vertigineuses.